Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour une nouvelle vidéo de l'actu Star Wars, la série qui vous présente les différentes parutions à venir dans le mois autour de Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Tout d'abord, sur Disney+, nous aurons droit à un épisode des Making of dédié au livre de Boba Fett, qui nous montrera donc les coulisses de la série. Cet épisode sortira le 4 mai, comme un certain nombre de publications ce mois-ci, pour célébrer le Star Wars Day. Le 27 mai, sur Disney+, nous pourrons découvrir les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Pour les comics en anglais, le 4 mai, bien évidemment, sortiront deux comics, avec le tout premier numéro de la mini-série consacrée à Obi-Wan Kenobi, une mini-série de 5 numéros, et également Star Wars numéro 23. Le 11 mai sortira le troisième numéro de Halcyon Legacy. Le 18 mai sortiront Dr. Aphra numéro 20 et le second numéro de Han Solo et Chewbacca. Pour les comics en français, le 4 mai sortira le cinquième et dernier numéro du crossover War of the Bounty Hunters, en deux formats, souple et cartonné. Le 11 mai sortiront les 100% Star Wars des numéros du crossover War of the Bounty Hunters, mais cette fois-ci reclassés dans toutes leurs séries respectives, avec Star Wars tome 3, Dark Vador tome 3 et le 100% Star Wars War of the Bounty Hunters qui regroupe le numéro alpha et les 5 numéros de la mini-série principale. Le 25 mai verra la sortie de deux comics avec The Star Wars, adaptation en comics du script original de George Lucas pour l'épisode 4, ainsi que Le Journal de Kenobi, qui regroupe des comics déjà sortis précédemment qui concernent les histoires à propos du vieux Ben, à savoir les numéros 7, 15, 20, puis de 26 à 30 de la première série Star Wars. Pour les mangas, nous aurons droit en France à l'arrivée des premiers mangas de l'univers canon, chez Nobinobi, avec La Haute République, Un équilibre fragile, tome 1, ainsi que le premier tome de l'adaptation du roman Étoile perdue de Claudia Gray. Ces deux mangas sortiront le 4 mais eux aussi. En anglais, il y aura aussi une sortie manga avec le second volume de The Edge of Balance prévu pour le 24 mai. Pour les romans en anglais, le 10 mai sortira Brotherhood, écrit par Mike Chen, un roman qui va se dérouler au tout début de la guerre des clones, entre l'attaque des clones et The Clone Wars. Pour les romans en français, le 4 mai verra la sortie du roman légende Kenobi en livre audio sur Lidzi. Ce livre sera lu d'ailleurs par nul autre que Bruno Choël, la voix française d'Obi-Wan Kenobi dans la prélogie. Le 5 mai sortira l'e-book du roman légende Point de rupture chez 1221. Le 12 mai verra la sortie du second tome de la trilogie Throne L'Ascendance, intitulé Bien commun chez Pocket. Pour les beaux livres, nous aurons droit à une nouvelle sortie par Huguin et Munin avec Star Wars La Revue numéro 1, un MOOC, donc entre livres et magazines, avec des articles et surtout la traduction d'une nouvelle de la Haute République. Cette revue sortira le 13 mai. Enfin, le mois de mai verra la sortie de 4 sets Lego avec Death Star Trench Run, Dagobah Jedi Training, Death Star Trash Compactor et enfin l'UCS du Landspeeder de Luke. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscant. Dites-nous dans les commentaires les publications que vous attendez le plus ce mois-ci. On se retrouve le 1er juin pour le prochain numéro de l'Actu Star Wars. A très bientôt et que la Force soit avec vous.